On est à 5. On est à 6. Hey. Et ça, on est à 6 aussi. 6 sur 10. Pour moi, il manquerait soit un élémentaire de terre, soit un élémentaire de glace. Parce qu'on en a eu deux d'eau, on en a eu deux de feu à l'instant. Du coup, de terre, donc faudrait que je sois en eau pour battre la terre. Et si c'est un élémentaire d'air, il faut que je sois en feu. Non, pardon. Un élémentaire d'eau, si. Non, oui, c'est ça, un élémentaire d'air. Il faut que je sois en feu. Donc, soit en feu, soit en eau. Donc, on va prendre le feu pour le moment. Et la question c'est où est-ce que peut se trouver le dernier. Il y a cette zone-là que j'ai pas vraiment explorée. Mais pour moi. S'il y a un autre élémentaire de glace, il doit se trouver par là. Forcément. Enfin de d'air. Il doit forcément se trouver par là. Donc on a eu celui-là qui était au bout, hein. Il n'y a pas de souci, ça. Question, c'est est-ce qu'il y en aurait un qui serait un petit peu plus planqué? Peut-être sur le côté ou un truc comme ça. Là, c'est chelou, ça. Oh, il est beurré, il est complètement aux fraises. Mais à l'aide quoi. Bon, allez, arrête, arrête, arrête. Le problème, c'est que là, je sais pas du tout où est le dernier. Où est le dernier? Faites un petit peu n'importe où, quoi. Après, je suis con, moi. J'ai dit que c'était terre, hein. Terre, il faut que je sois en eau, c'est ça? Ouais. Alors, pour moi, c'est peut-être un élémentaire de terre et il est dans le coin. Ça serait logique. Vraiment en pure logique. Donc je vais reprendre de l'eau. Et je vais explorer les alentours du camp de terre. Parce que c'est le seul endroit où vraiment j'ai vraiment extrêmement peu visité, voire pas du tout visité.
Du coup, bon, comme vous pouvez le deviner, j'ai mis énormément de temps pour trouver le dernier homoncule. Je vous laisse les 5 minutes de timelapse qui équivaut à 40 minutes de recherche, mais j'ai fini par couper l'enregistrement. J'ai mis presque 2 heures pour trouver le dernier homoncule. J'ai beaucoup ragé et j'ai même téléchargé les PDF du JDR papier pour voir s'il pouvait y avoir des indices. Je n'ai rien trouvé, mais vous allez voir qu'avoir téléchargé les PDF n'ont pas été inutiles pour la fin de la quête.
Bon, j'ai coupé parce que c'était vraiment long. D'ailleurs, on est à la fin de ma, quasiment à la fin de ma session de tournage et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Il y avait ce grand pont. Je suis au nord de la map. En fait, je suis reparti de. Tac, 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 tac. Pas falaise, pointe nord, voilà, pointe nord. Parce qu'il était ici l'ancien, hein, c'est ça. Il était dans ces environs-là. Enfin, j'ai suivi la route et du coup, je me suis dit, il doit pas être loin du précédent. Et en fait, il y a ce grand pont à traverser à droite. Donc je viens de la route là-bas. Hein. Le point de TP, il est là-bas. Donc j'ai parcouru ce chemin-là. Puis je me suis dit, bah, il y a le pont là. C'est vrai que je ne me souvenais pas avoir un truc comme ça. Et là, j'ai vu des pins. Du coup, je me suis dit, j'allais voir les pins. Et là, la musique qui change et puis il est là. Ah, enfin, on a le dernier. Ça a été long, mais ça a été tellement long à le trouver. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Est-ce qu'il y a un coffre? Est-ce qu'il y a... je sais même pas où ça mène, ça. Je suis où, là? Ah, oh, bordel. Et pour trouver ça, il n'y a pas un morceau de vide avec? Il n'y a pas l'air d'y avoir de coffre. Bon. Pouh. Oh, je vous jure, ça m'a énervé. J'ai trouvé le jeu plutôt cool jusque-là et. Et là, ça m'a vraiment saoulé, d'accord. Je vais juste vérifier cette pointe-là. Voir s'il n'y a pas un coffre. Parce qu'ils aiment bien mettre les coffres dans les pointes. Du coup, Ah, je me souviens pas avoir exploré ça. Ouais, je suis en haut là. Est-ce qu'il y a un coffre ici? Je suis vraiment à la toute pointe là. Bon, bah du coup, on va retourner au village, on va valider la quête. On n'a pas les vides, malheureusement. On verra un petit peu ce que nous mène, mais à mon avis, ça pue, hein. Clairement, cette quête, elle pue. Bon, allez, let's go. C'est bon, j'en ai ma claque. Hop, allez. Tu es revenu. Tu as réussi, tu as réussi, tu as les 7 cœurs de terre. Oui, j'ai réussi, mais maintenant que je l'ai fait, j'ai de plus en plus de pressentiments de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, que c'était une mauvaise chose. Ne dis pas de bêtises, c'était pour le bien de l'humanité, et puis même s'il restait des homoncules, il ne se lancerait quand même pas dans une guerre contre nous. Ils ont compris que nous étions beaucoup plus forts qu'eux. Avez-vous le livre de joueur de Prima près de vous? Non. Vous avez raison, il ne peut plus rien arriver d'affreux maintenant. Le livre du joueur de Prima. Eh ben, ça tombe bien, je l'ai téléchargé tout à l'heure. Il est dans mes downloads. Hop, tout Prima. Ah, ou alors, attendez, ou alors, est-ce qu'il était dans le... Prima Origin Data. Ressources. Non. Je regarde dans les fichiers du jeu rapidement. Hein.
Non, j'ai que des DLL, j'ai pas de PDF dans le jeu. Alors ça c'est malin. Vous auriez quand même pu mettre le PDF avec le. Vous auriez pu mettre le PDF avec le jeu, bande d'idiots. Du coup, je vais télécharger. Non, c'est bon, je l'ai encore. Tout prima. Tout prima. Livre du joueur V1.6, je l'ai. Mais il faut télécharger le PDF du jeu de rôle. J'ai bien fait de le faire. Je suis en train de lancer, hein. Je suis en train de lancer le PDF. Ah, pourquoi il l'a ouvert dans Edge, ce con? Bon, c'est pas grave. Allez, alors. Prima, livre du joueur 1v6. Allez, charge, s'il te plaît. C'est vraiment de la merde. Alors, vas-y. Du coup, oui, j'ai le 1v6. Allez directement, page 364, et lisez-la. Alors, attendez. Attendez, on va essayer d'ajouter une source. Capture de fenêtre. Hop, regardez la magie. Regardez-moi cette magie. Alors, disons ça. Il m'a dit, page 366, hein. 364, pardon, 364. Donc on va aller directement 364. Ok, chronologie. Je vais zoomer un tout petit peu. Ok. Ah! Ah, mais zut! 364. Chronologie. Avant l'ouverture des mondes et des continents. Et les continents élémentaires, continents primaires, secondaires, tertiaires, étaient séparés du reste du monde, un peu comme Valinor chez J.R.R. Tolkien. D'accord, ok. Chez Tolkien. Il n'était pas possible d'en sortir ou d'y rentrer. Si un voyageur souhaitait s'éloigner des continents élémentaires, il revenait à son point de départ, comme si ce continent était situé sur une autre planète, sur une petite planète. Les continents élémentaires étaient alors habités par des mortels paisibles organisés en petits villages indépendants. Les anciens élémentaires peuplaient les trois continents, vivant en harmonie avec les mortels vivant sur place. Il y a 12 catégories d'anciens élémentaires ayant chacun leur particularité. La magie était abondante à cette époque, et à part quelques querelles entre anciens élémentaires, le monde était plutôt tranquille. Le cataclysme. Pour des raisons obscures, une grande guerre éclata entre la citadelle d'Erin, une ville particulièrement bien armée et organisée, et les Lames du Soleil, une grande communauté d'anciens élémentaires. À la tête de cette communauté d'anciens élémentaires était le Seigneur de l'Aube, une entité puissante issue de subtils mélanges de fusion d'anciens élémentaires. Cette communauté était assez récente, mais bien implantée. C'est pourquoi un grand nombre d'anciens élémentaires vinrent se battre lorsque le Seigneur de l'Aube émit un appel à l'aide pour la bataille du cataclysme. Un appel à l'aide, d'accord. Pour la bataille du cataclysme, comme son nom l'indique, c'est lors de cette bataille que le monde connut le grand cataclysme. Le cataclysme. On va le lire rapidement ça en plus. Lors de la bataille. Lorsque la bataille tournait en faveur des anciens élémentaires, une gigantesque explosion fendit le ciel. L'origine de cette explosion est mystérieuse, car aucun des belligérants
ne possédait la puissance nécessaire pour la déclencher. Les accusations ne manquèrent pas pour dénoncer le seigneur de l'aube, mais la plupart des survivants dénonçaient les accusations. Les survivants dénoncent ces accusations et pensent que les guerres de la citadelle d'Airain avaient dû se lier avec une entité ancienne et maléfique. Quoi qu'il en soit, les conséquences furent catastrophiques. Les pertes dans les deux camps étaient douloureusement innombrables. La communauté du Seigneur de l'Aube fut dissoute et on n'eut plus entendu parler de lui depuis. Depuis cet événement catastrophique, les anciens élémentaires fuirent les communautés et préférèrent rester auprès de leurs adorateurs. Ok. Hop, je masque ça. C'est fait. Plus j'y pense, plus je me dis que c'était une erreur. J'espère au moins que s'il se passe quelque chose de grave à cause de mes actions, l'histoire ne se rappellera pas de moi comme responsable. Ok. Du coup, il nous manque les vides. Il nous manque les différents éléments de vide là. C'est lui hein, qui le demandait. Hein. Si je dis pas de bêtises. Très bien, maintenant que tu as. Non, c'est pas lui. C'était l'autre là-bas. C'était lui là-bas. Par contre, tu as déjà trouvé, vraiment un, mais il va en falloir plus. Ok, d'accord, bon. Par contre, c'est bête, le soufre que j'ai récupéré. Les 4 de soufre, c'est con, ne sert pas encore dans le jeu. C'est marqué. Donc, il y aura des versions futures de ce jeu. On verra, je ferai peut-être. On verra. Si, parce que là, mon planning de. Voilà, de mise en ligne est bien chargé. Quand cette série sera prête à sortir, je vérifierai s'il n'y a pas une nouvelle version. Et on enchaînera peut-être sur une nouvelle version. On verra, on ira plus vite. Mais sur ce, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Éventuellement. Je vais partir à la recherche des autres. Il en manque combien? Il en manque 3. On va faire une recherche rapide. On va faire une petite recherche rapide. On va rapidement regarder autour de nous, mais
Allez, après, je viens de faire le tour, j'ai même pas vu l'altar. Pour vous dire à quel point ici je suis paumé. Hein. De toute façon, mon personnage il est aussi paumé que moi. Hein. Comme ça, on... j'ai envie de dire, on est deux à être paumés dans ce truc. Et pourquoi il fait des demi-tours comme ça? Pourquoi il fait des dérapages là de l'enfer? Mais putain, mais arrête de faire ça! Oh là là, je vous jure. C'est terrible. Bon. Il est là, l'altar. Du coup, s'il y a un coffre, il est peut-être là. Ouais, je sais, je dis altar à la place d'hôtel, mais j'ai mes raisons, on va dire. On va dire que lors d'un JDR, il y a eu un quiproquo. Quand j'ai dit que j'avais amené une jeune fille à l'hôtel. Sauf qu'en fait, c'était un hôtel sacrificiel. Et ça a été mal interprété. Je devais faire le résumé d'un JDR précédent et il y a eu un quiproquo à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis plutôt altar maintenant, plutôt que hôtel. Parce que j'ai. On m'a déjà regardé avec des yeux bizarres, du coup, quand. Dans certaines circonstances, quoi. Ouais, les homonymes, hein, toujours compliqués. Hein. C'est drôle. C'est rigolo, hein. Non, bon bah écoutez, la dernière quête, je ne sais pas, du coup. Bon, c'est la quête secondaire, hein. C'est pas très important, mais j'aurais bien aimé la faire. Du coup, bah c'est pas grave, on s'arrêtera là pour cette version. Et c'est dommage que le jeu soit pas entièrement fini, qu'il y a une zone qui est pas terminée, que le soufre soit pas encore implémenté. Voilà, il y a deux, trois trucs. C'est un peu dommage, hein, un peu dommage. Mais bon, c'est tout, hein. Mais écoutez, sur ce, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Enfin, cette série vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, en espérant que je refasse pas le tournage parce qu'une nouvelle version sort. Voilà. À bientôt! Je sais pas sur quoi je vais tourner après, moi.